Je veux pas crever. Don't think my go-to spider elimination strategy is gonna be much easier. Ah! Saute pas, saloperie. Je suis trop loin pour qu'elle saute en fait. Fais-toi mal sur les pics. Ok, notre défense, bienvenue pour l'épisode. Je comptais pas le commencer maintenant, mais... Je comptais dormir et... J'espère qu'elle va pas sauter. Je comptais dormir... Et commencer l'épisode, mais bienvenue. Donc il y a ça qui se balade. Et je me suis dit, c'est l'heure de tester, voir si ça marche. Je crois que, en gros... Vous vous rappelez, j'ai fait 3 échafaudages de distance pour les murs. Et si on reste au centre de la maison, sur le toit, elle va pas sauter. Parce que quand on est... Je crois que j'avance de 1 mètre, honnêtement. Et je crois qu'elle me saute dessus. C'est une attaque qu'elle fait exprès, en fait, pour nous sauter dessus, nous faire des dégâts. Et du coup, être à côté de nous, hein, parce qu'elle elle a pas de projectile, elle. C'est pas comme les autres, où elles peuvent cracher de la... Ok, très bien. Elles peuvent cracher de la toile et tout ça. Elle, elle a pas de projectile du tout. Araignée loup en or, je sais pas pourquoi. Je sais toujours pas ce que ça fait ça, faudrait que je regarde. Du coup, Ah la vache. Ah putain, elle m'a détruit. Du coup, elle ne saute pas dessus. Yay. Donc, cool. Bah on est bien en fait, ça va, c'est bien. Par contre, elle m'a détruit les pics. Elle s'est fait trop de dégâts dessus, donc du coup il faut les refaire. Oh là là, j'ai eu un peu peur. J'ai eu un peu peur. Alors hop. Très bien. Il me manque quelques flèches, mais c'est pas grave. On va regarder un peu les dégâts. Qu'est-ce que je fais? On va regarder un peu les dégâts que ça a fait. J'étais en train de me préparer parce que... Alors, je voulais aller... Alors, en premier, je voulais aller dans la zone du gaz. Parce que j'avais envie de prendre plus ou moins un peu tout ce qui traînait, quoi. Après, je me suis dit, la zone du gaz, c'est loin. C'est peut-être pas vraiment, en théorie, encore à notre niveau. Après, je me suis dit, pourquoi pas regarder le chiffre... Merde. J'ai changé le nom. Putain, j'ai changé le nom. Coffre de rangement. On peut... Non, t'es sérieux? Sans déconner. Bon, bah deuxième. J'ai toutes mes flèches dessus. Merde. Elle essaye vraiment de s'avancer. C'est bien parce que honnêtement, on est un peu infesté en ce moment de loups. Donc dans un sens, c'est pas si mal. Non, me fais pas ça le jeu. Elle est rentrée. Le jeu tu... Le jeu t'abuse là, hein. Le jeu t'abuse. Alors, la bonne chose c'est que... Putain de merde.
La bonne chose, c'est que si elle attaque pas, elle casse rien, je crois. En fait, les pics ont cassé simplement parce que elle s'est fait mal dessus. Tout simplement. Bon, là par contre, je suis un peu dégoûté quand même. Que genre, elle peut passer comme ça. Je trouve que les monstres, c'est un peu trop aléatoire, la façon dont ils se déplacent des fois. Ils vont trop vite, enfin certains vont trop vite j'imagine. Ça fout le bordel. Je dois vite la tuer parce que j'ai vraiment pas envie qu'elle me pète la maison. Mais là je crois qu'elle a rien cassé. Faut pas qu'elle saute ou quoi que ce soit, faut pas qu'elle attaque. Simplement pas qu'elle attaque. C'est bon là? Putain, on peut. Je peux. Est-ce que je peux vivre? Ou pas? Et Z2. Ok, super. Coffre de rangement. Très bien. Ah la vache. Je voulais prendre ça. Non, ça. Pour réparer les choses. Mon dieu. Il faut boire. C'est bon, on a fini avec les saloperies ou pas? Putain, l'arbalète, elle a pris cher, quoi. J'avais pris de la toile, genre de côté. Bon, bah, ça, c'est bien, on a eu... attends, l'autre, elle m'a donné de la merde. Je l'ai looté ou pas? Bah si, je l'ai looté. Ah, mais on s'était déjà vidé les poches. J'ai rien dit. Hop là. Oui, on s'était déjà vidé l'inventaire, c'est pour ça. Ça va, y'a plus personne. On s'était déjà vidé l'inventaire. Alors, fais voir un peu. On va réparer les choses. Donc du coup, je vais vous expliquer... Non, c'est la fumée. J'ai cru que ça bougeait encore là-bas. Donc je vais vous expliquer ce que j'avais en tête. Donc, on avait donc la fourmi, les fourmis noires, là. Zone de fourmis noires. Qui est plutôt sympa, mais on a récupéré pas mal de morceaux de fourmis noirs déjà. Donc on peut réparer notre bouclier, je crois, au moins 4 fois. Minimum. Putain, Oh la vache. On peut réparer notre truc au moins 4 fois, donc ça va. Ou 3 fois, c'est bien. Après, on a... la zone du gaz. Et après, on a la nouvelle zone avec les... comment ça s'appelle? Les fourmilions. Qui est plutôt sympa, mais c'est assez hardcore. C'est loin, surtout. C'est loin. Donc, il faudrait genre une base, en fait, à côté. Donc, ça, c'est un problème. Vous avez vu, ça marche bien, hein, ce truc-là. Par contre, c'est chiant à mettre. Hein. C'est méga chiant. C'est peut-être parce que la porte est ouverte. Mais c'est un peu relou à mettre. Mais c'est vraiment sympa de les mettre comme ça. Les mettre sur les murs, en fait. Sur les barricades. Palissades. Ouais, non, c'est quand même la merde. J'ai remarqué que des fois, quand ça marche pas bien, il suffit simplement genre d'annuler et de le prendre d'une autre façon. Et après, vous pouvez... Donc, save, corde, chardon. Les chardons, j'en ai quasiment plus. Les chardons, il va falloir en prendre. Alors, save cord et chardon. Attendez, on fait ça et après on y va. Faut que je répare mon toit aussi. Save cord et chardon. Sans déconner! Il y en a encore une! Les chardons, je sais pas où ils sont.
5? J'en ai plus que 5? Sérieux? Ma merde alors. Sans déconner, il y en a une troisième. Je crois que j'ai plus de charbon du coup, en fait. Ouh! Ça me gave. Il est 1 heure. Bon bref, voilà. Donc c'est loin, c'est chiant. Je me suis dit, pourquoi pas regarder les chiffres. Je vais regarder si on a vraiment que 10 charbons. Enfin, plus de charbon. Pourquoi pas regarder les chiffres des puces. Et il y a une puce qui est... Ouais, il nous faut des charbons. Il y a une puce qui est pas loin. C'est dans la rivière. Non, enfin dans la rivière. Dans le lac, là. Là. Je me suis dit, pourquoi pas y aller. Voilà, donc on va faire ça. On va faire ça aujourd'hui. Donc on va poser le masque à gaz et tout ça. Et je me suis dit, pour nous équiper, en plus on a déjà une dague. Parce qu'on avait vu que pour taper dans l'eau, une dague c'est bien. Enfin, il y a des trucs où il faut que des dagues. Donc je me suis dit que c'était bien. Et on va s'équiper en araignée. Parce que... Ben j'en sais rien en fait. Non, ça va pas là. J'en sais rien, parce que c'est bien pour l'exploration, on a plein d'endurance et tout ça, donc pourquoi pas. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. On va réparer ça. Voilà, très bien. On a donc la dague, l'épée piqûre là, les armes de tir. Mais les armes de tir, ça sert à rien dans l'eau. Mais bon, les armes de mêlée, ça sert pas à grand chose dans l'eau non plus. Donc je sais pas comment on va se débrouiller. Mais je me suis dit, autant faire ça. Ça a l'air pas mal. Donc voilà. Et il nous faut des chardons. Il faudra que j'en prenne à un moment. Il faut qu'on aille farmer des chardons. Ça, je le ferai de mon côté. On va dormir. On va prendre ça. On va en faire... Il n'y a qu'à faire celui-là. Non, celui-là. Celui-là. Et ça... Est-ce qu'on a un truc pour... Ah, par contre, on peut pas respirer sous l'eau. Ça m'embête un peu. On a rien pour respirer sous l'eau. Je peux... Ah oui, si, aptéisme. Ah, mais j'ai pas ça. J'ai pas tout ça. La chair de tétard et tout ça, j'ai pas tout ça. Si elle arrive proche de moi, je la défonce. Je la défonce. Si l'autre, elle vient. Non, c'est bon. Allez, on va dormir. Fou ce jeu, fou. Complètement fou ce jeu. Donc beaucoup de loups qui se baladent en ce moment, c'est bizarre. C'est vrai qu'on en a tué. C'est nickel. Parce que j'ai beaucoup de trèfles, donc autant les... Hop. That was refreshing. Très bien. Poing, poing. Non. Poing. Là-haut, j'ai des... Bon, du coup, la base, elle est imperméable. Enfin, elle est plus ou moins imperméable. Elle est plus ou moins imperméable au loup. Ça peut aller, ça passe. C'est pas le plus imperméable, mais ça passe. Rub time. Voilà, on est équipé, on y va. On a de la bouffe, on a beaucoup de bouffe. On a du soin et tout ça. Donc on s'équipe en araignée et puis on va dans l'eau. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti. Il faut plein de chardons. Yay. Donc on a l'arc, l'arbalète comme d'habitude. Et dague, épée. Faut que je regarde mes mutations, con. On sera devant l'eau, on regardera les limitations qu'il me faut. Que j'ai en fait, que j'ai équipé. Faudrait peut-être aller les chercher, hein, les loups, hein, pour éviter qu'elles rôdent la nuit. Parce que honnêtement, c'est relou qu'elles rôdent en fait. Je préfère aller les chercher et les combattre. Mais bon. C'est comme ça. Donc, on va un peu analyser comment ça se passe. Parce que on n'a pas fait d'eau.
On n'est pas allé sous l'eau, enfin, pour des petites choses, mais on n'est jamais allé là, par exemple. On n'a pas fait ça, on ne sait pas comment ça fonctionne, je ne sais pas, ça, on peut peut-être le récolter. Voilà, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, autant tester des choses et être à côté de la maison. Alors, on a œil de lynx, on va peut-être l'enlever, ça sert peut-être à rien. La langue, j'en ai pas. Célérité, oui. Accro cardio à la limite. Ouais, peut-être. Donc déjà, il faudrait voir si on peut pas récupérer du nouveau matos. Genre les, je sais pas, les nénuphars ou je sais pas quoi. Pour pouvoir crafter de l'équipement sous-marin. Qui nous permet d'aller sous l'eau. Respirer sous l'eau plutôt. Donc, voir un peu la gueule que ça. Oh, ça va, c'est assez clair. C'est pas trop. Ah. Ça, c'est des méchantes puces d'eau. On peut respirer avec ça ou pas? 6 secondes. On peut pas. Ah! Ok, on a des algues déjà. On a des algues. Je sais pas vraiment si ça sert à quelque chose. Des algues. Ok. Genre ça, on peut pas récupérer ça. On peut monter dessus. C'est quoi, c'est des plumes ça? Des plumes de corbeau ça? Le corbeau ici? H. Oh. C'est quoi ça? C'est quoi toi? Merde! Punaise d'eau. Yes, c'est des punaises d'eau! Ah, elle fait des bulles! Ah, elle est morte! C'est con! Ok. Bon, notre ami l'arbalète, hein, qui résout encore énormément de problèmes. Pêche, elle flotte, ça tue. Merde. Les flèches, elles sautent. On a récupéré quoi? C'est quoi ça? Nageoire de punaise d'eau. Ah, oui. On a un équipement nageoire. C'est vrai, on a un équipement nageoire. Ah, là. Ce serait bien qu'on en ait plus qui viennent en fait. Bon, le truc profond là, c'est pas trop mon kiff. Comment je fais ça dans l'eau moi? Je peux le faire dans l'eau? J'espère que ça flotte. What the fuck? What the fuck? Ok. C'est un poisson-chat? Ça tue? C'est trop classe. J'ai vu par contre des araignées qui flottent aussi. C'est moins classe. C'est un poisson-chat. Je peux l'identifier, merci. Non. Ah. Je crois que j'ai touché un truc. Non. Ah oui,
à la dague. Ah. Ok. J'aurais pas pensé à voir ça, honnêtement. J'aurais vraiment pas pensé du tout à voir ça. Avoir un poisson-chat. C'est ça, hein, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ils ont des machins, là. Des trucs comme les chats, là. Ah, vous avez compris. Bon, par contre, il a l'air vénère, en fait. Le problème, c'est ça, c'est qu'il a l'air un peu vénère. Donc, si on peut... Si on peut se le faire, je dis pas non. Hein. On peut pas aller là-bas. Je vais tomber, moi. Le truc, il peut nous gober en une fois, j'imagine. Ah, attends, je peux peut-être monter là. Attends. Si on peut se faire à l'arbalète, moi je dis pas non. Comme d'habitude, hein, l'arbalète, ça sauve la vie. Oh. L'arc aussi. Ah, faut qu'on mange des choses. Oh là là. Il donne tous les mêmes buffs, je crois, de toute façon. Yes. Ok. Oui. Ok. Je regardais s'il n'y avait pas des trucs cachés. Là, il y a un truc de recherche. Ah, pas bon. Mais de quoi je me suis fait mal, apparemment. Fais chier, comment on monte? Ah, là. Ah, c'est pour ça aussi que j'ai mis mon set là. Parce que ça m'augmente mon endurance. Enfin, mon endurance revient plus vite. Et vu que pour le moment, rester sous l'eau, on peut pas vraiment... Du coup, on peut aller. Au moins, on a des. Du moins, on a de l'endurance. Il est mort? C'est peut-être. C'est des tétards, ça? On dirait des ballons. Il y a des poissons ballons, là. Vous savez de quoi je parle? Je sais plus quoi ça s'appelle. Les trucs qui se grossissent pour faire peur à leur prédateur. Place de recherche. Merde. Ça, c'est pas bon signe par contre. Pas bon signe. Ça a l'air d'être ok. Alors. Sûrement pour nager plus vite, ça. Le jus. Je sais pas ce que c'est. Sûrement pour l'endurance. Ça, c'est des... On peut faire des sushis. Okay. Je vais voir un peu le jus. Je vais juste voir le jus vite. Hyperactivité. Ah, ça, c'est bien, ça. Oh putain, c'est facile à faire. Oh, c'est méga facile à faire. Un mélange de légumes verts locaux qui accélère la récupération d'endurance.
Et ça soigne. Bah du coup, en fait, on peut faire ça. On peut passer notre temps à faire ça. Au lieu des... ça c'est... Ouais, natation. Au lieu de faire cela, la mixture douteuse, bah du coup, on ferait que tout le temps ça. Comme ça, on a toujours le boost d'endurance. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Ah, poisson. C'est une pièce. Bon, ça fait, c'est pas, ça fait pas aussi peur que ce qui paraît. Bon, c'est un peu relou pour moi l'eau, mais. Comment je peux tirer ou pas? Non, je peux pas tirer. Est-ce que je peux faire ça? Attention, on teste. Yes! Ça marche. Ça marche. On est dans l'eau et j'ai pas... J'ai soif, quoi. Ah, mais par contre... Attends, mais c'est du tétard cru. Morceau de tétard bien juteux. Tant de mal si tu consommes cru, mais peut-être cuisiné. D'accord. Ah, ça donne de l'eau. Intéressant. Par contre, je voudrais bien rentrer. Rentrer un peu tôt, mais c'est parce que je voudrais aller voir si on peut pas. Cuire des choses. Oh, il y a des tétards là. Les tétards, ils sont aussi cons que les trucs sur la terre. C'est bien. Au moins, ça change pas, hein, j'ai envie de dire. Ah, toi, par contre, j'en ai besoin. Et ici. Deux. Je crois qu'il est vénère. Hein. Ah putain, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, toi, comment... Tiens! C'est bon, si je nage dessus, ça passe. Bon, on va rentrer. On va rentrer pas parce que je veux partir, mais surtout parce que je voudrais rapporter là tout ce qu'on a et faire cuire ça. On est limité à 10. Ah, mais c'est du consommable? En cas... Ah oui, d'accord. C'est du consommable. Ah, 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 ah. S'il ramène ta face. Ah super quoi. Attends. Tiens! Alors,
bien sauter, voilà. Viens, 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 viens. Encore ? Ouais, encore. Tiens. Bon, par contre, maintenant il fait nuit. Si, ramène ta face. Bon, par contre, on les aggro pas en fait. Ah, je vais devoir aller tellement farmer de dards là pour faire des flèches. Ça va être une catastrophe. C'est une catastrophe. Bon, par contre, ça dure longtemps. Ça, je suis content. Bon, on va retourner au labo de recherche. Ouais. Mouais, 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 mouais. Alors vas-y, fais voir. C'est peut-être ça qu'il me faut pour pouvoir avoir un tuba. Dague osseuse et le trident osseux. Qu'est-ce que c'est que ça? Épée de fourmi noire. Craft. Épée de fourmi noire. La lame affûtée possédant la puissance de coupe de fourmis. C'est classe, on dirait un... C'est quoi? C'est un chautel, je crois que ça s'appelle comme ça. Et après, on a quoi? Alors, tu m'as dit un trident. Ah, c'est aquatique. Alors, on a la dague et le trident. Dague osseuse. Coûter de plongée plus efficace grâce au matériau solide que constitue. Donc, il me faudrait deux morceaux de ça. Et des arêtes abyssales. Je sais pas... Ah, le poisson. Le poisson, sûrement. Et après, on a un trident. Arête abyssale, morceaux et cordes. Une arme hydrodynamique en arête, idéale pour se battre sous l'eau. Ah, ça fait de l'étourdissement. Ah, même ça, ça fait de l'étourdissement. C'est tout du niveau 2, quoi. C'est quoi, Quentin? C'est une abeille? Un truc qu'il faudrait... Je crois que c'est une abeille, ça. Ah, c'est une abeille qui est bloquée là-haut. C'est trop bien, quoi. Un truc qu'il faudrait que je fasse... c'est me faire des cocktails, moi, pour l'hydratation et tout ça, là. C'est vrai que j'en ai pas. Bon, ça va être relou de spotter des bestioles là par contre dans le noir. On peut bloquer dans l'eau hein, je crois. Mais je spot que dalle là. Je crois qu'on va rentrer. Hein. Par contre, comment on va rentrer, ça c'est une autre histoire. Là, c'est une autre histoire, parce que là, on a quand même un petit étang à passer. Là, on fait ligne droite. Hein. Go, ligne droite. Go, ligne droite. Ah! Oh, la pute! Comment tu fais mal?
peu bloqué, ouais. Ah, ça va, même dans l'eau, ça va, c'est clair. Non, ça, c'est pas des algues. Glon, glon, glon. Glon, glon, glon. Ça marche, allez, on rentre. Zoom. I'm all geared up. Si on prend ton premier. Si on prend ton premier. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal sous l'eau là. Faut juste que qu'on voit si on peut. Ça remet que dalle, ça c'est ouf. Si on peut s'équiper un peu mieux en. D'eau en équipement aquatique. Bon, faut faire gaffe qu'on a toujours une saloperie de l'eau là qui traîne apparemment. C'est pas mal hein, l'endurance quand on a ce set. Enfin, des parties déjà. Deux parties, c'est pas mal. Ah oui, il faudrait que je prenne des pics. Des chardons là. Meals on wheels. Qu'est-ce qui se passe? Ah, les fourmis, cassez-vous. Oh chien. Alors. Wing. Donc on a du matos. Donc ça. Ça on le mange pas. Ça on le mange pas. Ça on le laisse aussi. Toile d'araignée. Ah, j'ai vu une construction. Je sais plus ce que c'est. Il faut des toiles. Il faut juste des toiles. Il faut pas genre le. Comment dire du tissu en fait. Enfin, ça là, des cordes en soie. Il faut vraiment la toile d'araignée elle-même. Donc ça, c'est un peu relou. Alors, fais voir. Je voudrais faire ça. Alors, un. Ne venez pas manger. Hein. On a ouais que c'est fourni. Putain, faut chier les fourmis. Vous pouvez rester pendant la nuit si vous voulez, je m'en fous, mais faites pas chier. Genre me prenez pas ma bouffe. J'attends parce que j'ai peur qu'elle me pique ma bouffe. Yay! Chair de tétard cuite. Alors fais voir un peu. Bien nourri, repas, soigne. Ça tue? Ça soigne? Ouais, enfin, ça soigne, oui, c'est normal. Mais ça fait un repas, en fait. T'es bien nourri. Ah, ça soigne à la place, d'accord, ok. Ouais, ça fait... C'est pas mal. Pas mal. Alors, nous, on a... Du coup, on a... Non, c'est pas ça. C'est ça. Donc, formule... On a les palmes, donc ça ici aussi il faut de l'algue ou je sais pas trop quoi. C'est quoi ce bruit? Ne bouffez pas mes trucs. Hein. Enfin, je crois que j'avais peur de toute façon. Donc on a ça, ça c'est bien ça, hyperactivité, c'est pas mal. Gelée de luxe, on s'en fout, vitrification, endurance maximale. Ça aussi serait pas mal, mais il me faut des pucerons là, tout le temps, quoi. Ça c'est relou. Donc ça c'est l'apnéisme, il faut de la puce d'eau et de la chair de tétard cru. Bon, je sais toujours pas ce que c'est ça, le brin de valisnerie là. Donc c'est sûrement dans les temps. Ça c'est la natation. Est-ce qu'on peut faire des parties d'armure avec le peu qu'on a? Ça m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait qu'on puisse faire quoi que ce soit. Alors, on avait ça, donc ça, bon, laisse tomber. On a le petit tuba. Non plus.
Les palmes. Pareil, laisse tomber. Bon, ben c'est la merde. Et les armes non plus. Hein. Ouais. Il nous faudrait ça, à la limite, la sève de Nénuphar. Alors, je sais pas où on trouve de la sève de sur le Nénuphar, j'imagine. À l'intérieur, peut-être. Ça, c'est quoi? Une lanterne faite de matériaux. Pour explorer les profondeurs troubles. Ça doit être pas mal, ça. Ah, mais oui, mais ça doit... c'est une lampe sous-marine, en fait. Tout simplement. C'est tout simplement une lampe sous-marine. Je me demande si ça, ça marche sous l'eau. Tester. J'en avais jamais fait en plus. On va tester si ça marche ou non. Bon, qu'est-ce que je fais moi avec mes trucs là? Parce que j'ai pas. Eh, il me faudrait des tétards en fait. Mais quelle heure? 1h30. Ça va pourrir de toute façon. On va dormir. Ça va pourrir de toute façon, donc bon. Après faire les boissons hyperactives, là, genre pour aller sous l'eau, je crois que ça sert à rien. Voilà, 4... À faire ça. Just like a fruit pounder. Nickel, on est bon. On est bon pour partir, je pense. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai encore un truc. Encore ça de nouveau. It's no lemon crime, but it's better than nothing. Il faudrait peut-être que j'en fasse plusieurs de ça, mais pour le moment, les broyeurs, j'en ai pas eu trop eu besoin, en fait. Du coup, on va faire ça. Deux. Ce que je voudrais, c'est... Vu qu'on est là, un truc de soin. Alors, un, deux, trois. Parce que les trucs font quand même mal, hein, même avec notre équipement, là. J'ai été un peu surpris par les dégâts, en fait. J'ai été un tout petit peu surpris par les dégâts. On a bu de notre gourde. Ah, ah putain ces trucs là. Je m'en fous. Weevil snuffling along here. Je sais pas si ça fonctionne le troisième que j'ai mis. Ah la putain! Ah, fais chier. Pardon, je voulais pas gueuler. C'est même pas pour les dégâts, sur... c'est pour les... C'est pour les dégâts sur l'armure, en fait. C'est pas pour ma vie, c'est les dégâts à l'armure qui me font chier. Parce que là, il y a tout qui prend, je crois. Bon, il faut plein de d'algues. Ça, ça pourrit pas. Il faut plein d'algues. Il faudrait de la nourriture de tétard. Mais si on prend la nourriture de tétard, il faut quoi d'autre? Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Il faut... quoi d'autre? C'est quoi? C'était tétard et... Merde, j'ai oublié, putain. Ah, les puces d'eau! Les puces d'eau. Mais les puces d'eau, il n'y en a pas, là, j'ai l'impression. Je sais qu'on en avait trouvé ailleurs, mais là, je n'ai pas vu. C'est parti. C'est parti. Armure. You can be smart, fast, lucky, or just wear some armor. Ici. Alors là, il y a 4 trucs. Ah,
le truc, c'est pas de l'oxygène ça. Attends, par contre, je voudrais pas me faire coller par le poisson géant, quoi. Ah oui, nénuflar. On avait dit qu'on voulait tester les nénuflars. J'ai du mal à sauter sur les trucs. C'est quoi? C'est ça? Non, que dalle. Ah merde, fais gaffe, il y a des moustiques, je crois, là. Non? Ouais, bof. Je crois que enfin, elle est plus profonde. Je vais voir si ça marche. Ça marche! Ah ah! Merde, je suis sous la pierre. Oh, ça va, il y a un peu d'air. On va se faire les puces d'eau. Les puces d'eau, on peut les one-shot. Merde, je suis encore sous la pierre, bordel. Ah, mais je suis loin, en fait. Mais j'ai plus d'endurance. Je reste trop appuyé dessus. Alors, fais voir ça. Oh merde. Ok. Ok, on peut rester là-dessus. T'es empoisonné ou pas? Okay, très bien. Je regardais surtout mon oxygène en fait. Pour être sûr que ça marche. J'avais peur que ça marche pas en fait. J'avais vu des trucs avec des yeux rouges là. Ah, encore une araignée. Faut qu'on tue ça, par contre. Ah oh, putain, je vois rien. Je vois que dalle. Faut qu'on en tue encore deux, je crois. J'ai rien dit. Ah non, mais c'en est pas. Par contre, c'est un peu chaud de penser à son oxygène, genre... Genre, si jamais je suis à zéro, c'est mort, quoi. Genre, je meurs direct. Donc, c'est un peu chaud, quoi. Faudrait vraiment trouver ce qui peut permettre de respirer plus longtemps. C'est des cailloux ou c'est autre chose, ça? L'arbre fragile.
Ok, on va se faire les araignées là. Je sais pas si on a le meilleur set en fait pour ça. Est-ce que je peux la défoncer? C'est vrai que j'ai une bonne dague. Là, je pourrais sauter et lui tirer une flèche en fait. On est d'accord. En fait, je pourrais sauter et lui tirer une flèche. Pas peut-être plus efficace en fait. Je vais aller voir ce disque là. Voir ce que c'est. What the fuck? Ouais non mais d'accord, j'ai pas d'oxygène moi. Ah putain, il nous faut des trucs là. J'y vais pas sans matériel, hein. Par contre, j'ai pas trop aimé, on est passé à travers le décor. J'ai pas trop aimé ça. Bon, je voudrais tester un truc. Je voudrais voir un truc. À la limite, les palmes, ça me ferait plaisir. Ça, je sais pas. Sève de lumière et brun, vas-y. Ça doit être de la truc dans l'eau en fait. Genre ça. Yes. Ah, évidemment. Progression. Ciao down. Ah, c'est quoi ça en dessous? C'est pas de la sève? Ok, on a ça. Il est quelle heure? Il est 14h. Ok, on a ça, ça c'est très bien. Là je suis content. Très bien, on va faire ça. Yes! Ok, je vais revenir regarder. Oh là là, qu'est-ce que j'ai du mal à remonter. Alors, fais voir un peu. Fabrication. Donc, les palmes. Ok, les palmes, c'est bingo, on peut les faire. Ça. Ça, on peut le faire aussi. Il m'en faut un peu plus juste au cas où pour. Donc c'est Aptiste Junior. Et après on a plus gros le casque de scaphandre. Bon ça il faut, je pense, le poisson. Je pense que c'est le poisson. Donc ça sera pour plus tard. Ça marche comme ça les nénuphars. Genre s'il y a de la sève mais en dessous des feuilles. Ou c'est juste... ils ont fait ça pour le jeu. Ok.
J'y connais rien du tout pour ça. Mais en fait, c'est gentil ça. Ça s'aggro pas. Je sais pas. Je pensais que c'était agressif. Ça avait l'air agressif en tout cas. Il me faudrait plus de feuilles. Elle est où? Ah, ok, d'accord, ça va directement dans l'inventaire, je me disais aussi. Ouais, j'ai vu. Le poisson, est-ce que c'est pas genre... Genre la loup de l'eau, en fait. Genre le boss de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, peut-être qu'il nous gobe et il nous tue. Alors, on en a 11, on a 17. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on peut rentrer avec ça. 16h. Je vais voir un peu l'équipement. Pour essayer de se stuffer un peu plus. J'imagine que c'est méga grand en fait. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on va rentrer. J'ai un peu peur, moi, qu'il one-shot. Ça serait quand même saloperie, hein, de faire ça. Genre, non, mais pas un one-shot, genre, parce qu'il fait beaucoup de dégâts. Je parle d'un one-shot, genre... Nice and safe. Genre, par défaut, il fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, le truc... le machin, quoi. Moi je pense à ça en fait. Genre le machin il te gobe et c'est fini. Tu... Adieu ton sac, adieu ta vie. Quoi. Moi je pense à ça moi. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie de le combattre si on n'a pas de matériel. Parce qu'on est quand même vraiment, vraiment lent hein, sous l'eau. Attends, bravo. Du coup il y aura pas d'eau. On va attendre la maison. Qu'est-ce qu'on peut mettre en armure? Parce que là, on a juste des palmes et... un truc pour respirer. Donc l'armure au centre, là, on pourrait, je sais pas, mettre de l'armure lourde, peut-être. Peut-être l'armure de coccinelle, à la limite. Ouais, quand on s'éloigne trop du camp, hein, ça spawn... Ah putain, il faut que j'aille identifier les trucs, j'avais oublié. D'abord, faut boire. Tastes good. Ouais, quand on est trop loin du camp, ça spawn à l'intérieur. Bon, c'est pas trop grave. Est-ce que j'ai pris du... Okay, c'est bon. On va aller identifier ça. J'aurais dû le faire dans le lac, mais c'est pas grave. Ça va, je suis content, ça a l'air sympathique. Et ce qui est marrant, c'est que, vous avez vu, on n'avait pas la lampe aquatique. Mais on a la version, la deuxième version, quoi, la version petite. Et, genre ça, et ça marche sur l'eau. Sous l'eau. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça, je suis content, vous voyez. On se débrouille, en fait. On se débrouille. J'imagine que celle qu'on peut faire aquatique, elle est beaucoup mieux, évidemment. Vu qu'elle est faite pour. Mais c'est vraiment sympa. Ouais, je pense aussi qu'on allait rien avoir des deux. On a déjà tout. On connaît déjà les choses qu'on peut faire avec, je crois. Ah! Oh, un repère flottant. Bah tiens, voilà, j'ai eu tort. Ah, par contre, la mission...
mission. C'est quoi, Ravin la Truelle? Il est temps de lever le voile sur l'endroit et de révéler l'emplacement du monde. Donc, ouais, super. Alors, on a 4000. Respiration vigoureuse. Ah oui, ça c'est l'endurance maximum, c'est pas pour... c'est pas pour... Moi je pensais au début que c'était pour respirer sous l'eau, mais en fait... La menthe, la haie... Oui, la recette à la haie, ouais. Je sais pas. Pour le moment, on va attendre encore un peu, je sais pas. Peut-être qu'on va avoir des trucs plus intéressants avec les puces de l'eau, là. Ce sera peut-être plus intéressant, donc on va attendre. Moi, je vais rentrer, je vais faire l'équipement, je vais faire une petite pause, puis après, on y retourne. C'est sympa, j'aime bien. Surtout que... Ouais, vu qu'on a des équipements un peu... Un peu de d'autre part, genre par exemple la dague, elle marche très bien sous l'eau, celle qu'on a. Enfin voilà, quoi, on se débrouille avec du matériel qui vient d'autre part, donc ça je suis content en fait. Ça je suis très content. Alors, hop. Ça, ça. Hop. Genre là maintenant... On peut faire plein de... Ouais, on a 93 déjà. Ah oui, non, ça tue. On peut vraiment faire que ça. Bon, faut farmer du verre. Puis... Ah oui, et après, j'ai vu qu'on pouvait, voilà, faire ça. Donc, 1 égale 3, c'est bon. Les fourmis commencent à me bouffer les trucs. Alors, fais voir. Déjà ça. Donc, des repères flottants. C'est vachement bien, ça. Alors, ça, on peut pas. Il faudra combattre le poisson, je pense. Ça, il faudra absolument combattre le poisson, apnéiste. Alors, par contre, on peut faire ça. Donc, apnéiste junior. Un dispositif à placer sur la bouche, fabriqué à partir de brins de valisnerie et d'autres matériaux hydrophobes. Il crée une petite poche d'air permettant de, à l'utilisateur pardon, de rester sous l'eau plus longtemps. Ça. Après, pour l'armure, on ne sait pas. On verra. Après les palmes. Créé à partir de nageoires, de punaises d'eau et de matériaux hydrodynamiques, ces palmes disgracieuses permettent à leurs porteurs de se déplacer plus, bien plus aisément dans l'eau. C'est aussi du léger. Par contre, c'est tout du léger. Moi, ça me fait un peu peur en fait de me balader en léger, honnêtement. On va voir si on peut prendre des armes. Ah non, c'est que avec le. Ah, on peut faire ça par contre. La dague en gravillon. Gravillon. Ah, je peux faire une lanterne. Ça et ça. Ok. Nickel. Bon bah voilà. On va s'équiper. Hop. Hop. Nage de haut, natation. Par contre, pour le body... moi, je dirais pas non de mettre ça. Hein. Bah, dans un sens, les trucs d'arrêt... Ah, ça c'est bien, mais. Genre délai de régénération d'endurance. Non, on s'en fout. Non, 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 on va mettre ça. On va mettre un truc bien lourd. Endurance maximum. Non, non, on met un truc bien lourd. Je veux pas. Je... On a déjà du léger. On garde ça. Voilà. Voilà. On est prêt pour la natation. On a la dague de base. Ça, c'est juste au cas où. On a une lampe. Voir la lampe. Ah ouais, elle fait plus de lumière quand même. Quoique. Enfin, peut-être que celle-là, à l'extérieur, elle fait plus de lumière. Ça marche. Peut-être trop de flèches. Ouais, bah, je suis content. On est équipé. On est équipé pour la natation. Je vais faire une pause, moi. Je vais faire une pause, je reviens. Et on va repartir directement après. On va se... Je vais dormir et tout, et on va repartir. Et, maintenant, on peut faire ça. Ouais, on va faire ça. Mais d'abord, il faudra que j'utilise cela. Ok,
À tout de suite. Et on s'est réveillé. Apparemment, on a des viandes pourries parce que les tétards ont pourri. Ce n'est point grave. Ce n'est point grave. Bon, ça, on n'en a pas vraiment besoin. On a de la nourriture ici. Hop là. On va manger ça. Voilà, on a de la nourriture. Ça redonnera de la vie au cas où. On est équipé. On a notre armure coccinelle. Ah, bouclier, dague. On a les deux dagues si jamais... Je me demande si celle-là, du coup, elle tape plus vite dans l'eau. Genre, on peut enchaîner les coups, peut-être. Faudrait tester. Faudrait tester. On verra. Sinon, on est prêt. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ça. Pour plus de vie. Je pense, à la limite. That was refreshing. Il est quelle heure ? Il est 8h. C'est bon, on va y aller. Allez, on y va. C'est parti. On va visiter les fonds marins. J'ai plus d'une cinquantaine de flèches. Oh putain. J'ai plus d'une cinquantaine de flèches. Faudrait honnêtement faire un break et la tuer. Vu qu'elle se balade ici. Enfin bref. On n'a pas le temps. Mais en théorie, on devrait. Mais bon. Donc plus d'une cinquantaine de flèches, parce que du coup, peut-être qu'on pourra, genre si on a le poisson ou autre chose, on pourrait peut-être le faire à l'arbalète ou à l'arc. Ça serait bien. À la limite, j'ai envie de dire, peut-être qu'on devrait déposer l'arc et juste prendre l'arbalète. J'en sais rien. En tout cas, on est là. On est prêt à faire plouf plouf. Alors, fais voir. I'm all geared up. Donc nickel. Nickel, nickel. L'état. Ça. Accro cardio. Peut-être mettre de la protection plus. Ok, let's go. Alors, fais voir un peu combien de temps ça dure. 80 secondes. Ok, 80 secondes, c'est déjà un peu mieux. C'est déjà un peu mieux. C'est les palmes, putain. Ah, il est là-bas. Est-ce qu'on peut... Ce serait vraiment bien si on peut. Let's see what's around here. Ah oui, c'est mieux les déplacements. Je vois pas là. Et je vois pas sa vie en fait. Une si bonne idée que ça en fait. Ah oui, on avait dit qu'on voulait tester la tag. Non, c'est pareil. Il est où ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va dans le... La base là, sous-marine ?
J'ai l'impression qu'on va pas pouvoir le gruger. Je sais même pas si ça marche. J'ai assez perdu de flèches. Ok, on va... Allez, go. On va là. On va voir. Bon, on a 80 secondes en tout. Quand tu veux, ça s'ouvre. D'accord, super. Alors, attends, on va reprendre de l'oxygène. Putain de merde. Truc de merde, quoi. Ah, il y a une plume. Vas-y. À 40 secondes, on fait demi-tour. Ah, yes. I'm feeling more science-y already. Ah, sans... Carte de responsable adjoint, c'était sans déconner quoi. C'est quoi ça? Écle de mort fragile. Y'a quoi là? Chier. Bon bah. Pas maintenant. Bon, on va descendre. Je t'attends en endurance. Allez, on y va. On va voir un peu ce qu'il y a au fond. Tuyau. Ça araignée, c'est elle qui m'aggro. L'oxygène. Il essaye vraiment de me gober en fait. Carp Coin n'a fait qu'une bouchée de max. Il m'a one shot alors que je me protégeais. Intéressant. Donc je peux jeter mon bouclier en fait. Tastes good. C'est un peu ça aussi que je voulais... C'est un peu ça aussi que je voulais voir. C'est ce qui se passe en fait si je bloque avec lui. Bah apparemment, pas grand chose. Mais est-ce qu'on peut le tuer? Maintenant je me demande si on peut le tuer, parce que sa vie en fait n'apparaît pas. Cela on l'a combattu, on lui a tiré dessus... Donc c'est peut-être pas ça pour les races, les comment ça s'appelle, les arrête. Il
je suis un peu deg. Ouais, je suis un peu déçu là, c'est bof. Bof. Alors attends, si c'est pas ça, c'est quoi? Poisson coil là? Genre les armes. Arrête abyssal, ouais, mais ça veut rien dire en fait. Ouais, ça m'aide pas vraiment en fait. Ah putain, mais il y a une truc de recherche. Arrête abyssal. On a passé sur le reste d'une créature morte dans la mare. Patiné et renforcé de courant et produits chimiques. Il s'agit d'un martyro exceptionnel pour les équipements les plus robustes. Ah, ouais. Ah, ce qui est bien, c'est que le sac flotte. I love this backpack. Putain. Oh la vache, qu'est-ce que j'ai du mal. I love this backpack. Mais bon. S'il n'y a pas de combat, c'est super fun. Bon, on va descendre. Par contre, il a l'air de rester dans ce coin-là. Non, on va aller là. Pas quoi qu'il se balade partout, en fait. Je crois. Bon, allons descend. On va aller vers les plantes. Ça fait de l'oxygène, comme ça on peut gagner de la distance. Ah, tu me fais chier là. Il a pas l'air trop relou niveau aggro. C'est de l'argile. Il reste encore 40 secondes. Ah, oxygène. Oh, c'est un dinosaure. Ça a bien fait des bulles. Ah, si, si, ça a bien fait. T-Rex abyssal. Ça m'éblouit plus qu'autre chose. Écaille boueuse, merde. Putain, c'est sérieux. Je peux avoir de l'oxygène? Je vous en supplie. Ah, c'est fermé, je vais crever. No lemon crime, but it's better than nothing.
On va devoir faire un truc en plus, hein, là, parce que... Alors, par contre, là, je rigole moins, parce que le sac, il est loin. Là, je rigole moins, parce que le sac, il est quand même un peu loin. Là, ça me fait un peu plus chier. Il y avait des... Enfin, ouais, non, je sais pas. J'ai cru que c'était de l'oxygène, mais en fait, non, ça te pousse. Ouais, c'est un peu casse-couille, là, par contre. À la limite, je crois qu'on va aller farmer des puces. Genre des têtards et des puces d'eau. Et on va faire plein de... de cocktails, là, pour l'apnéiste, je crois. Je crois qu'on va faire ça. C'est là, je sais même pas si je vais pouvoir récupérer mon sac. Ah, mais la bulle! J'aurais dû jeter ma dague. Je crois que ma dague, si je l'ai équipée, c'est bon. Par là. On a 20 secondes, c'est bien. Oh la vache! Putain! Brussels sprouts, the great cabbage of Belgium, with utter disdain. Within its densely packed leaves, a high-powered nutrient boost in a miniature form factor. And yet, mealtime after mealtime, it is recklessly cast aside. Well, more for me. The body knows when it's lacking something. Funny that it doesn't tell the mind why, though. But I have taken the hint, and I'll do those brilliant horticulturalists of Belgium one better. You see, these little morsels are a prime candidate for experimentation in my new submersible multifunction lab. A closed-loop system complete with retractable solar dome. I mean, what could possibly go wrong? Dr. Tully, it is almost time for your appointment. Already? The joys of getting older. Trudy pushed me to go see a doctor after she remarked that I looked like a plate of wet ham. Very well. Mustn't be late and keep Dr. Applebaum waiting. On shoot logique. Alimentation de secours. Allumer tous les disjoncteurs. Test AMS jour 1. Ah oui, non, c'est le document que j'ai récupéré. Dis-moi qu'on a ouvert la porte de, au centre. Là. Oh merde. Quatre
Oh le fuck, putain. Mais c'est des boules qui ricochent. ARCR. Attends, c'est peut-être une ouverture ça. Si j'ai processus de croissance et bougement auxiliaire, t'attends plus que d'être transféré sur un nouvel organisme. J'ai été chargé de récupérer l'artère appendiculaire et de la raccorder sur les racines de chou à l'aide d'une sorte de colle agar agar. Les métabolismes humains et végétaux ne sont finalement pas si différents, mais seront-ils compatibles à ce point? On peut dormir ici? Guide du labo mission. On peut dormir ici. Alors. C'est verrouillé. Donc tout à l'heure il nous fallait une carte. Il nous fallait une carte. Ici il faut qu'on... Ah, statue. Ah, c'est ça? Les disjoncteurs. Oh là là. Mais moi, il me faut du meilleur matériel hein, pour aller sous l'eau. Hein. Ouais, je crois que... Oh putain, oh non, je vais devoir revenir. Oh, Dieu. Mais je vais jamais y arriver, là, je suis mort, moi. Oh. Déjà, on va faire le tri de ce qu'il donne. Cool, des tétards. C'est ça qu'il me faut. Chair de puce d'eau. De B. Ça aussi c'est verrouillé. Et ben je sais pas comment je vais faire pour rentrer. Après on l'a fait en une fois, normal. En théorie je peux le faire, je peux faire le retour. Mais ah oui attends, je peux pas créer un truc. Non, on a plus ou moins tout ce qu'on veut. Non, il faut 5. Merde. Ah oui, mais il faut du corde de toute façon. Et par contre, ça aurait été bien de pouvoir faire à manger ici. Ouais, ça aurait été parfait. Mais quelle heure? Il est 19h30. Faudrait même dormir, honnêtement. Faudrait même dormir. Ça qu'il faut prendre et après partir. Lanterne de pourri. Ah, attends. Ah, c'est pas un truc spécial ça? Voilà.
pas la même. Lanterne en décomposition pour explorer les fonds marins. Elle a toujours un peu de vie en elle. Okay. Ça marche, c'est une spéciale ça. Faudra la garder. Je regarde ce que je prends dans le sac et après je me casse. Enfin après je dors et on se casse. Encore on s'en fout. Et de la corde en soie. Mais en fait, si s'il y avait au moins 4 autres... les aiguilles, là. Pas les aiguilles, les... merde. Ah non, il n'y en a pas d'autres. Ah, c'est con. Hein. Les machins abyssales, là. Si on en avait 5 en tout, ça. Les arêtes abyssales. Si on en avait 5, c'était bon. On peut faire le scaphandre. On a tout ce qu'il faut, je crois. Non, peut-être pas, en fait. Je dis des conneries. Non, si on peut... Oh là là, il en faudrait 4 et après on peut faire ça direct. Oh, ce serait bien. Ou alors un truc de bouffe, mais on peut pas faire de la nourriture ici. Donc, on est dans la merde. Je vais ressortir vite fait, on va regarder un peu. Il fait trop nuit par contre, on dort. Ça n'a pas l'air d'avoir de saloperie ici. J'ai rien dit. J'ai rien dit. À la limite, on peut camper un peu ici. Faut pas que ça dure 3000 ans parce qu'on n'est pas, on n'a pas de l'eau, on n'a pas d'eau à foison. Pas de nourriture non plus. La nourriture, je crois que ça touche que l'endurance, hein, si je dis pas de bêtises. Je crois que ça touche que l'endurance. Et quelle heure? 21h18. Rub time. Pas très heureux, mais on va voir. Alors, fais voir. Je prends de la soie. Après on a les trucs à manger, on va être malade si on mange ça, mais... Ok, trop bien. On est prêt. Les puces d'eau et les têtards, là, on les prend après, si jamais on trouve un moyen de sortir. Et je vais voir si on peut pas faire... genre réparer le bordel. Putain, je l'ai vu. Ouh. Arrête à dire ça. Oh la vache, qu'est-ce que... Oh putain, c'est ça, oh là là, ça va. On va peut-être pouvoir le faire. Il y a des arêtes abyssales. On va peut-être pouvoir faire ça. Ok, ok. Ok, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Je vais juste faire ça. Lâcher la pile. Ça, je pense que ça se stack. On est bon. Ah, on peut consommer ça, c'est vrai.
C'est vrai que j'avais oublié, c'est des encas. Ok. On n'est pas désespéré encore. Non, c'est bien parce que ça nous pousse à nos limites, quoi. Genre, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Ça nous pousse à nos limites. Ok, let's go. Alors, pelle. Ok, let's go. Let's go. Si on arrive à faire le scaphandre, je suis content. Par contre, c'est les araignées qui traînent. Ça a remis de l'oxygène? What? Je comprends pas. Ok, on a de la place. Je suis pas concret. Quand j'ai tué la non, quand j'ai looté la bestiole, ça m'a remis de l'oxygène. Bon, ça fait deux écailles. Bon, on n'est pas encore sorti d'affaire. Hein. Oh, on est loin d'être sorti d'affaire. Hein. Putain, il en faut quoi? 5, hein. On en a 2. Ouais. Bon. Que ça va mal finir cette histoire. Si on pouvait avoir de l'oxygène ici. Faut que je regarde mes mutations si j'ai pas un truc intéressant. Ah, du coup, ça serait utile hein, l'endurance maximum. Hein. Putain, je suis en train de me dire. On en a 4, plus qu'une. Le mieux c'est que c'est d'en trouver 6 pour en les analyser aussi. Il n'y a rien qui donne de l'oxygène ici, sérieux. Là. What the fuck? Let's go! Attends, faut pas que ça me propulse ça parce que ça va me tuer. Let's go! Je suis sûr, j'espère qu'on peut crafter même si on n'a pas analysé les objets, on est d'accord? Oui.
Oui! Casque bulle! Casque bulle! Smart, fast, lucky, or just wear some armor. Tu peux rester sous l'eau plus longtemps. Donc c'était quoi, 80 secondes? On va voir si ça a changé. Alors ça, on le laisse là. Lâcher, on va le mettre là. C'est bête qu'on puisse pas poser les objets genre sur les tables, les trucs comme ça. Okay. Dis-moi que c'est à l'infini, quoi. 160 secondes, ok. Donc voilà. Ah, ça fait plaisir, hein. Bon, il nous faut combien à peu près pour revenir, pour remonter? 30 secondes. À 30 secondes, on se casse. Ça dépend où. Ça dépend quelle profondeur. Mais... Oh la vache, mais en... Je crois qu'il faut couper un truc. Attends, je vais récupérer mon oxygène. Non, c'est par là. Je suis pas très fan des labyrinthes sous-marins. Pas méga fan du labyrinthe sous-marin. Ça, c'est vraiment pas mon truc. Ça va être relou. Encore eux qu'on a récupéré le truc. C'est bien le scaphandre. Il faut voir là, ta tête. Ouais, ça fait une bulle autour. C'est marrant. Très très marrant ça. Très bien fait. Ok. Faudrait que je pose des choses. J'ai rien à poser. Ah si, ça. Okay. Je crois que si on ouvre le système, ça sera beaucoup plus simple pour nous, pour se balader. Je crois que ça ouvrira la porte, donc je sais pas quoi. Alors on va d'abord faire le sort de labyrinthe là, qu'on a vu. Vide. Badge de toxicologie. Sans déconner. Attends, faut qu'on aille récupérer de l'oxygène. Sans déconner, et je crois que c'est du niveau 2 qu'il faut. Je pense pas qu'on puisse le faire au niveau 1 avec la... Ah, ça tourne maintenant. Je crois pas qu'on puisse le faire avec la dague qu'on a là. Merde. Oh, la dague en os. En arête. Est-ce qu'on peut la faire? Putain. Ah mais là c'est ressources... Le jeu nous pousse au max.
Yes, on peut la faire. Et elle est niveau 2. Nickel. Ok, putain, faut penser à tout dans le jeu, c'est ouf. Ok, très bien. Allez, où Madagascar, elle est là. Donc ça, c'est quoi le badge de toxicologie? Un badge d'un scientifique omniscient donnant accès à son département de travail spécifique. Filtrage, protection contre la poussière, résistance au poison. D'accord. Là, on n'a plus qu'une dose de... Hop, putain, go. Parce que je crois que c'est de une molaire, un truc de molaire, je crois, qui est sous l'eau. Enfin, non, qui est derrière les... Qui est derrière les racines. Pourquoi je suis poussé, là? Ah merde, c'est pas là. Secondes. Poussez-vous le bordel. Sans déconner. C'est aussi résistant que ça. Non mais non, là tu déconnes le jeu, là par contre. Là tu fais vraiment exprès quoi. Tu fais vraiment exprès. Y'a autre chose ou pas? C'est très chiant les allers-retours. Très très chiant les allers-retours, mais bon, hein, on n'est pas obligé. Par contre, ça fait du courant, je crois. Maintenant, ce qu'on a activé. On vire les... On a encore des trucs abyssales? Non, on en a pas. C'est un problème, ça. Ah, attends. Non. Où est-ce qu'on pourrait utiliser la carte? Ça doit pas être là, hein. Non. Ça doit pas être là, la carte, hein. Je pense pas. On sait trouver le reste. Genre celui-là. Entendu. Ah, par contre, un truc que j'ai tendance à faire, c'est... je sprint, là on est en train de sprinter, nager plus vite, quoi. Par contre, quand le sprint est plus là... C'est bon, on est à 10. Je reste appuyé, en fait, faut pas... Faut re-appuyer par-dessus, parce que sinon, il ne le fait pas. Ça marche. Faut que j'aille là, ou... Ah oui, faut que j'aille là, en fait. C'est quoi mon buff de soin?
On peut boire ici? Je peux même pas boire, c'est trop bien. Hop. Hop, comme ça on est prêt à switcher s'il faut. Bon, on va activer le bordel, on va voir ce que ça fait. Cool. Ok, donc maintenant ça s'ouvre automatiquement, ça c'est cool. Ça je sais pas ce que ça veut dire ça, genre ça protège de... Oh yes! Genre ça protège de l'eau, je crois. Genre ça peut pas être submergé peut-être. Peut-être. Faire gaffe parce qu'il y a des putains de robots de fou. Exercice aérobique. Ouais, mais je peux pas perdre mon temps à lire les trucs. Moi. J'ai pas d'eau. Est-ce qu'on est proche de la surface là du coup? Brussels sprouts, ugh. Muscle sprouts? I'd give them a try. Je crois qu'on est de l'autre côté où on avait vu... Quoi ça? Identifiant, mot de passe. Ah, il faut encore un mot de passe. Ça a l'air d'être fun. Oh mon dieu, ça... Oh non. Sans déconner. Cent trente secondes. Sans déconner. On est bon. On a une pelle, on peut déblayer le chemin. Moins d'auto du biodôme. Redémarrer le terminal biodôme. Dr. Applebaum has pronounced me in perfect health. For a man 20 years my senior. I must face the facts. The gray hairs, the wrinkles, they are not figments of the imagination. I can draw only one reasonable conclusion. It is the elusive fractional errors of the shrinking process which are the cause. Trudy has asked that I discontinue my experiments, but what choice do I have? If I quit now, I will have nothing. What will I be other than a failed inventor and scientist with no discoveries to his name, unable even to teach the basics of physics to a gaggle of hormonal teenagers? No! This means that I must sacrifice 20 years of my life. Mais si! Ouais, ça m'a remis de l'oxygène.
5 épices. Je peux rien prendre là. Ok. Bon, faut trouver quand même un moyen de partir là, par contre. Donc faut redémarrer mode auto du biodôme. Redémarrer le terminal du biodôme. C'est quoi le biodôme? C'est où est-ce qu'on est? C'est où on se trouve? J'ai pas d'arête par contre, ça me fait un peu chier. Ah, du coup on est là. Putain de merde! Ils viennent d'où? Oh mon dieu. What the fuck? En fait, je veux pas utiliser ma dague, parce que si jamais on en a encore besoin. Enfin, après, j'ai mon épée, je devrais faire. Mais bon, l'arbalète fait très mal. Donc. Bon, on a un problème. L'eau. Problème avec l'eau. Non, il y a des traces de pas. Sans déco. Là j'ai pas le temps, sans déconner j'ai pas le temps. Non. Oh yeah, Virgil's gonna be... Oh what? This lab's a convertible. Color me impressed, Dr. Tully. Ça tue. Comment? Je voudrais sortir, s'il vous plaît. Désolé, j'ai un peu zappé des trucs là, mais. Il va falloir qu'on écoute des trucs. C'est quoi ça? Coup de biceps. Ça donne de l'eau?
Il y a des documents par terre. Pincé. Donc. C'est par là qu'on sort ou là je viens de là? Science, you are off the hook. Oh, dis-moi. Yes, trappe de la mare. Yes! Yes! Oh mon dieu de merde. Mais cassos. Nice and safe. C'est... Oh la vache. Putain, il y a une loup juste là, quoi. Super. Ah, monde de merde, hein. Monde de merde. Nickel. On rentre chez nous. Ah, c'était une sacrée sortie, hein. Une sacrée sortie, on y est arrivé. Hein. On y est arrivé. Encore heureux qu'on a trouvé tout le matos là pour faire le scaphandre. Hein. Putain. Merde! Putain! Oh la vache, une larve. Oh, on est à la maison, on est tranquille. On est safe. Je vais juste récupérer... Non, c'est pas par là. C'est là. Juste récupérer du jus là. Donc il y en a, ça se remplit ou pas ça? Ouais, ça se remplit, ça va. Ok, cool. Eh ben... Quelle aventure! Ah putain, je suis bloqué. Quelle aventure! Là, ça, c'était une super aventure, là, par contre. Là, c'était méga aventure. Putain de merde, quoi. C'était chaud. C'était chaud. On a récupéré pas mal de trucs, je suis content. Faut qu'on répare, donc, ça. Parce que je l'aime bien, cette dague. Hop, 25-25. On a ça identifié. Ah, on n'a pas récupéré. Feu de Bruxelles hybride, comestible. Ses feuilles sont mûres, caoutchouteuses et coriaces. Soulage légèrement la faim. Mais provoque aussi des douleurs. Le chou a donné et le chou a repris. Plus efficace pour améliorer les smoothies. En cap, c'est d'accord. Ça, on va le garder de côté. On a ça examiné. On n'a pas de. On n'a pas de... d'épines, d'écailles là. Ça, c'est un peu emmerdant. On n'en a plus. Enfin, on n'a pas... On a pas trouvé assez parce qu'on a du tout utilisé ce qu'on a trouvé. Ça, on va le garder là. Très bien. Donc, ça examiné, ça examiné. On va aller peut-être examiner avant. La carte, je sais pas à quoi elle sert la carte. On connaît pas l'emplacement. Filtrage, protection contre la poussière, essence au poison. Ça a l'air d'être tout pour genre masque à gaz et trucs comme ça, j'ai l'impression. Donc c'est peut-être pour nous aider pour aller à la zone d'après. Moi je pense qu'il y a un système comme ça. Il nous faudrait une lanterne de plus, parce que j'ai pas envie de tomber à quoi.
cours. Ah, quoi qu'on a la l'autre en lanterne. Ça, on peut pas. On a tout sinon après. Hein. C'est juste. Ouais, on a tout. Très bien. Si on a plusieurs casques, est-ce que ça marche de les interchanger? Hein? Ah, question. On va aller identifier ce qu'on a sur nous déjà. Donc le poisson, on peut pas le tuer, le gros poisson. Ah oui, on a trouvé plein de couleurs aussi. De l'interface, là. On va regarder ça aussi quand on est là-bas. Et on va mettre fin à l'épisode et... Et après, on va y retourner, du coup. Parce qu'on n'a pas fini. Je sais qu'on a la puce. Ah, on pourrait... Pour aller donner la puce avant d'y retourner, peut-être. Ouais, peut-être, peut-être. Je me demande si celle-là, du coup, est-ce qu'elle se recharge? Est-ce qu'on peut la recharger? Ouh. 50. Est-ce qu'on peut la recharger? Genre, est-ce que ça se recharge? Non, ça se répare pas, ça. Et celle-là, du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Quoi, on s'en fout? Ou on la garde de côté? Je sais pas. On en fera une autre, là. Alors, on va voir un peu. Le casque Koi. Ouh, c'est stylé. Donc, il faut une écaille. Après, tout ça, c'est de la récolte. Bah, c'est tout de la récolte, en fait. Parade magistrale. Armure légère. Je sais pas ce que c'est, parade magistrale. Une armure solide en écaille de Carpcoy. Ça a une défense de fou. Pareil, c'est, ouais, c'est une armure niveau 2, quoi. Parade magistrale. Faudra voir ce que ça fait. Honnêtement, le set, il a l'air de pas être très compliqué à faire, parce que il suffit juste de... C'est de la récolte, en fait, à chaque fois. Donc, honnêtement, c'est pas dur. On va rentrer. On va rentrer. À la limite, ce qu'on pourrait faire... mais bon, je fais pas ça, parce que sinon, c'est, ça prend trop de temps. Ça serait... faire des camps à chaque endroit, en fait, où il y a des laboratoires. Ça aiderait énormément de faire ça. Mais... Pff, ça me prendrait 3 plombes, quoi, à chaque fois. Ça prendrait des heures en fait de jeu et j'ai pas le temps en ce moment. J'ai vraiment pas le temps d'en faire autant, quoi. Bon, on a réparé ça. On a la deuxième aussi. Non, deck de gravillon, on s'en fout. Ça on garde. L'épée, honnêtement, l'épée du moustique, elle sert un peu à rien. Bah, les flèches, on les garde. L'arc arbalète, oui, parce que ça nous aide. Ça, il faut le déposer. Ça, il faut... J'ai envie de dire le réparer, même. Ouais. Parce qu'on va encore l'utiliser. Après, je voudrais déposer les écailles. Nickel. La lampe pourrie, je vais la mettre de côté, parce qu'elle a l'air d'être unique. Genre là, et après, nous, on avait quoi? La verre pourrissante. Ces trucs là ils sont uniques. Très bien. On va falloir que je fasse encore de la farm. De la farm sous-marine par contre. La farm sous-marine c'est pas le fun. Et on peut faire ça à la place. Je sais pas si ça éclaire vraiment bien. Enfin ça dure pas longtemps je crois. Non on va faire. Non, j'ai rien dit. Nickel, on est bon. On va s'arrêter là du coup. Fabriquer. On va s'arrêter là. On va regarder. Donc le prochain épisode, on va je crois directement donner la puce qu'on a récupérée. Ah oui, je voulais juste vous montrer ça. Vite. Non, on est la nuit. Donc on a quoi? On a 5 épices, c'est nouveau ça?
Je sais plus vraiment. Là, on a quoi d'autre? Engelure, boue, engelure. Ouf, ou la vache. Ah, ça fait mal aux yeux, ça. Boue. Ouais. Artillerie. Ouais, bof. Je suis pas très fan en fait. Néo-mauve. Après ça c'est autre chose. Ça c'est des trucs qu'on a vu déjà. Récupérer. Là c'était quoi pendant la nuit? Merde, j'ai complètement oublié ce qu'on avait mis. Laser Corp je crois. Laser Corp. Très bien. Très très bien. Faudrait revenir aussi pour récupérer des... Comment ça s'appelle? Les bouts de... Oh 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 oh. Bonus de santé bien dodu. Aucun effet bonus. Costaud. Bonus de santé bien dodu. Ça tue, on peut faire des trucs encore mieux maintenant. Mais ouais, je voudrais bien faire des cocktails... Ça, comme ça. Et on les garde de côté, si jamais on en a besoin, en fait, tout simplement. À la prochaine, portez-vous bien. À dormir. Ciao, ciao.